me présenter à vous. Je m'appelle Benoît Cazaer, je suis docteur en histoire moderne et contemporaine, diplômé de Sorbonne Université, chercheur associé au Centre Lumière avec le professeur émérite Dominique Barjot. Et voyez-vous, je ne me suis pas du tout penché sur l'histoire du bruit dans mes recherches, mais en tant que Meldois et bien qu'intolérant au lactose, eh bien, je m'y suis intéressé parce que je me suis rendu compte, et d'ailleurs, vous n'avez pas de confrères aujourd'hui, malheureusement, mais j'en fais partie puisque je suis historien bénévole de la confrérie du bruit. Je n'ai pas apporté le tablier, c'est un peu ridicule en tant qu'historien conférencier. Donc, j'ai une certaine légitimité pour vous parler du bruit aujourd'hui parce que je m'y suis penché depuis les dernières grandes vacances. Et j'ai beaucoup étudié la question et je me suis rendu compte qu'en fait, le gros problème par rapport à l'histoire du bruit, c'est qu'aucun historien ne s'est penché dessus sérieusement récemment. Le problème de l'histoire du bruit, c'est que ce sont des gens, je vais vous donner un exemple, Pierre Androuet, qui est un premier, qui est né en 1915 et qui est décédé en 2005. Eh bien, c'est un monsieur qui a écrit Le Bruit, Histoire et Légende. Et il est vrai que le bruit recèle beaucoup de légendes. Dans le mot légende, c'est pas comme le mythe. Le mythe, il n'y a aucun caractère historique. Alors que la légende, vous avez quelque chose d'historique à l'origine qui se transforme peu à peu en quelque chose de mythique, en quelque chose d'inventé. Mais voyez-vous, l'histoire du bruit, elle remonte quand même assez loin, puisqu'on a pu retrouver au niveau de l'archéologie des cuillères de bruit qui remontent à l'époque des Gaulois. Et oui, on fait du fromage de bruit, on va dire dans la région de Meaux, depuis l'époque des Gaulois. À l'époque, vous aviez les Mèdes qui s'étaient installés le long de la Marne. Et puis après la conquête romaine par César, eh bien, vous avez eu la création d'une ville qui s'appelle Ionatou. Et à partir de là, vous avez eu le bruit qui s'est mis à être connu des Romains. Alors les Romains, je vais vous dire tout de suite, ils n'aimaient pas ça. Parce que le bruit à l'époque, c'était sous forme de galette, et il était recouvert de quelque chose de noirâtre, et il ne devait pas avoir un goût très fameux. Pourtant, les Romains considéraient que les Gaulois étaient des très bons gastronomes, ils faisaient des très bons jambons et des très bons fromages, mais les fromages que les Romains appréciaient beaucoup, c'était ceux de la provincia, c'est-à-dire ceux du sud de la France. Les Romains étaient très proches des Gaulois du sud de la France, puisque d'ailleurs ce sont ces Gaulois qui ont demandé aux Romains d'intervenir, et c'est comme ça que César, contre les Germains, et c'est comme ça que César a pu faire la conquête de la Gaule. Par rapport au bruit à proprement parler, avec la forme telle qu'on lui connaît aujourd'hui et sa croûte de forme blanche et son goût actuel, on va le voir vraiment apparaître à l'époque de l'Empire carolingien, à l'époque de Charlemagne. Par rapport à ça, je dois aujourd'hui remettre en cause une légende. Dans le livre de Pierre Androuet et dans beaucoup de crémiers qui ont écrit sur le bruit, en particulier lui d'ailleurs, puisqu'il en a écrit plusieurs, il y a un livre qui date de 1985, il y en a un qui date de 1997, donc il a écrit beaucoup sur le bruit, ce monsieur, mais il fait, on va dire, apparaître le bruit chez Charlemagne, dans l'histoire de Charlemagne, en 774, au moment où déjà Charlemagne ne s'appelait pas comme tel, puisqu'il s'appelait Charles Ier, roi des Francs. Il devient Charlemagne, c'est-à-dire Carolus Magnus, empereur carolingien et empereur des Romains, en le 25 décembre de l'an 800. Donc déjà, ça ne colle pas. Et en plus, il fait intervenir l'histoire lorsqu'il revient de
d'une victoire, la victoire contre le roi des Lombards en Italie, qui ne s'appelle pas encore l'Italie à l'époque, mais on va simplifier, voilà, dans le nord de l'Italie. Et Charlemagne aurait donc découvert le Brie donc, au moment où il se sera arrêté au prieuré de Reuil-en-Brie, près de l'actuelle abbaye de Jouarre. Et vous auriez eu un abbé qui lui aurait fait goûter le fromage de Brie, il aurait trouvé ça extraordinaire et lui aurait demandé de lui apporter deux caisses chaque année en son palais d'Aix-la-Chapelle. Sauf que c'est sans compter sur un certain Eginhard, qui est bien connu des historiens puisqu'il est le biographe contemporain de Charlemagne. Or, Eginhard ne parle pas du tout de cette anecdote. Le problème d'Eginhard, voyez-vous, c'est qu'il est toujours très imprécis. Il ne va pas vous dire où on est, il ne va pas vous dire quelle année on est, il ne va même pas vous dire à qui il s'adresse. Il va juste parler de Charlemagne. Ça ne fait pas beaucoup. Il y a quelques données géographiques. Alors, il va nous raconter qu'on va avoir un indice qu'il est empereur, parce qu'à un moment donné, dans le texte, on va voir apparaître le mot empereur. Donc on va se dire tout de suite en tant qu'historien, ah, empereur, c'est entre 800 et 814, parce que Charlemagne, il meurt en 814. Et il a été empereur que 14 ans. Donc les 14 dernières années de sa vie. Bon, déjà, ça donne un indice, on n'est pas en 774. Alors après, ah, il y a un évêque. Bon, alors s'il y a un évêque, on ne peut pas être dans une abbaye, parce qu'une abbaye, c'est un abbé. Déjà, un évêque, ça veut dire qu'il faut qu'on soit dans une ville avec une cathédrale. À cette époque-là, c'est une cathédrale romaine. Il parle d'un cours d'eau. Très bien. Il parle d'une voie romaine. Et il parle qu'on est vers la direction d'Aix-la-Chapelle. Et bien, tout ça, ça ressemble un peu à vous. Donc, en fait, on peut supposer, même si on n'en est pas certain, que Charlemagne se sera arrêté à Meaux entre, on va dire, 800 et 814, pas 823, même si c'est la date où l'évêque en question est décédé, mais Charlemagne était déjà mort depuis 9 ans. Donc on est entre 800 et 814, et cet évêque, ça peut être Hildric, qui était évêque de Meaux à cette époque-là. Et Charlemagne se sera arrêté à Meaux, et il aurait voulu, ce jour-là, ne pas manger, on va dire, ce qu'il mangeait habituellement, c'est-à-dire du gibier, ou alors de la viande d'élevage, ou de la volaille. Alors on lui aurait bien proposé du poisson, mais il se trouve que ce jour-là, la pêche n'était pas abondante. Donc finalement, l'évêque en question lui a proposé du fromage. Charlemagne, sur le coup, a trouvé l'apparence peu ragoûtante. Il a mangé que la croûte blanche parce qu'il avait vu le moisi. Et l'évêque, donc qui peut être Hildric, lui a dit « Seigneur empereur, tu laisses le meilleur, mange donc le moisi. » Et Charlemagne a dit « Oui, c'est vraiment très bon, etc. » Et finalement, il a dit « Apporte-moi, parce qu'à cette époque-là, on ne voyait pas, vraiment, il faudra attendre le début du XIIe siècle. » Charlemagne a dit « Apporte-moi deux caisses de ce fromage si merveilleux en mon palais d'Aix-la-Chapelle chaque année. » Et l'évêque Hildric est exécuté, si c'est bien lui, et il est allé, si on est bien à Meaux, et il est allé voir Charlemagne. Alors quand je vous dis qu'on est peut-être à Meaux, c'est que Charlemagne, pour le récompenser, d'après Eginhard, toujours, qui est toujours très imprécis, lui aurait fait cadeau d'une métairie. Or, on sait qu'à côté de Meaux, il y a la fameuse métairie de Germigny-l'Évêque qui existe depuis avant l'an 1000. Ça colle un peu, parce que là, on est sous Charlemagne. Il y a 200 ans, mais on ne sait pas exactement quand cette métairie est née, a été fondée. En tout cas, c'est peut-être à l'époque, effectivement, de Charlemagne. Là, on connaît bien cette métairie, puisque après il y a même un pigeonnier, et que c'est devenu le palais d'été des évêques de Meaux, notamment à l'époque de Jacques Bénigne Bossuet. Ici, là, on est sous Louis XIV, rien à voir.
Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que cette métairie, elle a fini par grandir et par devenir un palais d'été pour un évêque. Et puis, alors, l'histoire du Brie, ce qui va être intéressant, et je pense que, parce que là, on n'a que des histoires de bouche, quasiment, mais ce qui est intéressant par rapport à l'histoire du Brie, c'est la place que va avoir le Brie au niveau géopolitique et au niveau diplomatique entre le comté de Champagne et le domaine royal, le royaume des Francs, puis le royaume de France, qui apparaît en 1204, puisque Philippe Auguste, en 1204, va décider que désormais, dans tous ses actes royaux, il signerait roi de France et non plus roi des Francs. Donc la France naît en 1204. Et la France, à cette époque-là, c'est l'Île-de-France et quelques villes comme Bourges, comme Metz, Autun, Laon, les trois évêchés, Soissons. Ça, c'est la France. Et ce qui est intéressant, c'est que Meaux, à cette époque, pendant encore 80 ans, fait partie des trois grandes villes du comté de Champagne avec Provins et Reims. Puisque si vous êtes passé devant l'hôtel de ville, vous n'êtes pas rentré à l'intérieur de l'hôtel de ville, vous avez le vitrail d'Henri Ier le Libéral, qui est le comte de Champagne, qui a donné ses statuts à Meaux en 1179. Et à la place de l'hôtel de ville, vous aviez le château des comtes de Champagne. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est lié au Brie? Parce que le comte de Champagne et le roi des Francs, durant tout le XIIe siècle, ont été systématiquement en guerre, pour des raisons diverses. Cette guerre s'est terminée par le mariage entre la fille de Louis VII le Jeune, qui était le père de Philippe Auguste, Marie, d'Aliénor d'Aquitaine, Marie de France, qui est devenue Marie de Champagne, et qui a été inhumée à la cathédrale de Meaux, avec le futur Henri le Libéral, parce qu'à l'époque c'était encore Thibaud II de Champagne qui régnait et qui avait son château à Meaux. Et le Brie a apaisé les mœurs entre le comté de Champagne et le roi de France, parce que Blanche de Navarre, qui était la fille de Thibaud IV de Champagne, qui est Thibaud IV le chansonnier, qui est descendant, c'est le petit-fils de Henri Ier le Libéral, eh bien, allait voir Philippe Auguste à partir de 1204 et lui donnait systématiquement deux caisses de fromage de Brie. Ça calmait Philippe Auguste, ses velléités guerrières vis-à-vis du comté de Champagne. C'est assez drôle à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous appelez deux caisses? Alors là, c'est ce que je vous dis, c'est pas précisé par Aguinard déjà. Donc le nombre de fromages de Brie, à cette époque-là, vous avez des grands fromages de Brie, des moyens, des petits. Et puis vous aviez aussi le fromage de Brie en pot. Parce que ça s'est perdu. Mais autrefois, il y avait un fromage de Brie qui pouvait se manger en pot et on dégustait comme ça. Et c'était complètement différent du fromage de Brie d'aujourd'hui. Mais par contre, ce que je voulais dire avant de passer au Moyen-Âge à proprement parler, au milieu du Moyen-Âge, Charlemagne, apparemment, c'est lui qui a eu l'idée de couper le fromage de Brie par le milieu. Pourquoi? Parce que l'évêque en question, dont parlait Guinard, ne savait pas reconnaître les différents fromages que lui avait donné Charlemagne. Et Charlemagne a dit, eh bien écoute, coupe tous les fromages de la même façon, ceux qui auront le moisi délicieux, tu me les laisses, et le reste, tu le gardes pour tes gens. Il a changé radicalement d'avis, et qu'il voulait le plus moisi possible. Et alors, quand on arrive au milieu du Moyen-Âge, ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer à avoir des éloges du Brie. Par exemple, si on arrive vers, je dirais, la guerre de Cent Ans, à l'époque de Charles V, vous avez l'intendant
des bergeries de Charles V qui s'appellent Jean de Brie. D'ailleurs, vous avez la fromagerie centrale qui est rue Jean de Brie, qui fait l'éloge du fromage de Brie. Et on a les premières traces vraiment où vous avez des beaux vers sur le fromage de Brie, etc. Comme quoi, s'il est délicieux. Et comme quoi, il dit même que c'est, en gros, c'est un crève-cœur pour lui. De l'envoyer à sa belle qui lui manque parce que le fromage de Brie est vraiment irrésistible à ses yeux. Voilà, en gros, c'est assez, assez bon. D'ailleurs, cette mode va être poursuivie au siècle suivant à l'époque de Charles d'Orléans qui est le père du futur Louis XII, Louis d'Orléans. Alors Charles d'Orléans, c'est le duc d'Orléans, et il adore envoyer des galettes de Brie pour séduire toutes ces gentes dames de la cour, etc. Il avait cette habitude-là, c'était un véritable coureur de jupons, donc pour séduire les femmes, il leur donnait du fromage de Brie. Voilà. Et d'ailleurs, il a écrit aussi des vers très connus à l'époque, pendant sa captivité à Azincourt, après la bataille d'Azincourt, en 1415. Donc on a vraiment le fromage de Brie qui monte en puissance à mesure que les siècles s'écoulent. Et puis, on arrive là, progressivement, je vous emmène au XVIe siècle. Et là, ça va être la consécration du fromage de Brie. Parce qu'au XVIe siècle, vous avez un roi, François Ier, qui devient roi en 1515, décédera en 1547. François Ier raffole du Brie. On le sait pourquoi ? On le sait parce qu'en 1529, vous avez un certain Barthélemy de Chasseneux qui, pour faire plaisir au roi François Ier, sûrement parce qu'il pensait aussi la même chose, mais bon, je pense qu'on ne le saura jamais, c'est peut-être aussi pour faire plaisir au roi, il valait mieux pas lui déplaire. Barthélemy de Chasseneux a écrit le Catalogus Gloriae Mundi, le catalogue à toutes les gloires du monde. En gros, le Brie, c'est presque une des sept merveilles du monde de l'époque de la Renaissance. Le catalogue à toutes les gloires du monde, c'est peut-être au fond l'ancêtre de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert du XVIIIe siècle. Et dedans, vous avez le Brie, roi des fromages, marqué noir sur blanc. Là, on en est sûr, le Brie est bien le roi des fromages en 1529. Et pour couronner le tout, en 1534, vous avez François Rabelais, qui écrit Gargantua, qui est le préquel de son Pantagruel, et dans Gargantua, eh bien, il fait de son héros un grand amateur de Brie, et surtout du père du héros, Grand Gousier, qui est le pendant de François Ier, et Gargantua envoie à son père, alors là, c'est plus deux caisses, c'est 200 fromages de Brie, en son château, bah oui, sont des géants, hein, qu'ils aient à manger quand même. Hein. Donc là, on a vraiment le fromage de Brie qui est consacré sous François Ier. Et puis ensuite, sous Henri II, on n'a pas trop de traces. En même temps, est-ce qu'on a vraiment le cœur à la cour, et surtout à l'époque d'Henri II, à penser à l'art de la table ? Alors que le règne d'Henri II est une succession d'affrontements, de batailles, puisque nous sommes en guerre avec l'Empire des Habsbourg Charles Quint, et donc ça se termine par le traité du Cateau-Cambrésis, au moment où le roi va peut-être enfin pouvoir se préoccuper du fromage de Brie. Bon, il a quand même eu le temps avant d'aller avec sa maîtresse Diane de Poitiers, qui avait 20 ans de plus que lui. Hein, bon. Mais au moment où il pourrait se préoccuper de l'art de la table, il va être tué au tournoi de Quimper en août 1559 par le duc de Montmorency. Ensuite arrivent les guerres de religion,
Et puis on arrive à un roi qui est très connu, le Vergalois, Henri IV. Alors là, on connaît beaucoup. Alors là, Henri IV, c'est vraiment le roi qui raffolait le plus du Brie. On le sait parce que, bon, on a des traces comme quoi. En tout cas, c'est toujours pareil. Moi, je demande à vérifier au niveau historique parce que ça a été écrit par un crémier, ça. Il écrit que Henri IV, ma foi, adorait manger des tartines de Brie et que, comme il fréquentait sa maîtresse Gabrielle d'Estrées, la reine Marguerite de Valois, pour le garder dans sa couchée, a choisi les meilleures Bries et que, lors des soupers, ça lui permettait de garder son verre galant de mari auprès d'elle. Bon, alors le problème, historiquement parlant, c'est qu'Henri IV et Margot, la reine Margot, ont fait beaucoup chambre à part, surtout que leur mariage, la nuit du 23 au 24 août 1572, célébré en Notre-Dame de Paris pour normalement faire la paix entre les Huguenots et la très sainte Grande Ligue catholique, a entraîné le plus grand massacre d'histoire de France, en tout cas des guerres de religion, à savoir le massacre de la Saint-Barthélemy. Et Henri IV et Marguerite de Valois se détestaient cordialement, parce que Marguerite de Valois, même si ce n'était pas du tout une sainte, certainement pas une sainte Pitouche d'ailleurs, ne digérait pas le fait qu'Henri IV systématiquement se convertissait au catholicisme et après abjurait à nouveau et revenait à sa foi protestante. La religion prétendument réformée, comme on disait à l'époque. Et donc elle avait quand même les principes catholiques, sans les appliquer au passage, mais elle avait les principes. Et donc Henri IV et Margot passaient leur temps à comploter l'un et l'autre pour se supprimer cordialement. Donc on voit mal comment ils auraient pu souper en 1594 encore ensemble, d'autant d'ailleurs qu'Henri IV vivait quasiment maritalement avec Gabrielle d'Estrées et voulait en faire la reine de France, à tel point qu'on l'appelle la presque reine. Et c'est pour ça que le château de Mousseau, on l'appelle le château des trois reines, parce que dedans il y a la presque reine. D'abord Catherine de Médicis, Henri II en avait fait cadeau à Catherine de Médicis pour encore se faire pardonner auprès de son épouse ses infidélités avec Diane de Poitiers. Et ensuite, vous avez évidemment Gabrielle d'Estrées, et puis la dernière, ça sera Marie de Médicis qui sera la nouvelle épouse d'Henri IV et la mère de Louis XIII, la très mauvaise mère. Et donc, Henri IV, on a quand même une preuve historique, c'est que, vous savez, la confrérie du Brie est associée à la confrérie du vin de Givry. Et ça, on le doit à Henri IV à l'origine, même s'il n'y avait pas de confrérie du Brie à l'époque. Mais Henri IV avait le château de Germolles. Comment il l'avait acquis, qui était à côté de Givry? Le château de Germolles en Bourgogne. Il avait acquis le château de Germolles, qui était d'abord une ferme fortifiée que Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, je ne parle pas de Philippe III le Hardi, qui était fils de Louis IX, qui a régné de 1270 à 1285. Là, je vous parle de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, qui en 1380 avait offert à son épouse Marguerite de Flandre la ferme fortifiée de Germolles, qui était devenue le château de Germolles. Et Henri IV en a hérité après les guerres de succession, suite à la fin des guerres de succession de Bourgogne, à la fin du règne de Louis XI. Donc vers 1481, la Bourgogne appartenait au domaine royal, puisque vous savez qu'en 1477, Charles le Téméraire est décédé à Nancy. Et après, vous avez Marie de Bourgogne qui est morte, qui a été marié 5 ans avec le futur Maximilien Ier de Habsbourg, et Maximilien a renoncé après quelques batailles rangées face aux chevaliers de l'ordre du Croissant de Louis XI, et finalement c'est Louis XI qui a récupéré la Bourgogne. C'est un épisode très tragique
de l'histoire médiévale, surtout que c'était une très belle histoire d'amour entre Marie Bourgogne et le futur Maximilien Ier, mais c'est grâce à ça que nous avons eu la Bourgogne. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que Henri IV a récupéré le château de Gisors, et c'est pour ça qu'avec le Brie, il avait l'habitude de boire du vin de Gisors. Et là, c'est intéressant, parce qu'on a une preuve formelle, c'est sous Louis XIII, son fils bien-aimé, qui, le 19 octobre 1631, a soupé à Coulommiers, au Château Neuf, avec ses mousquetaires. Et Louis XIII, qui, on va dire, n'avait pas un goût très prononcé pour l'art de la table, raffolait du Brie. Alors, est-ce que c'était un Brie de Coulommiers? C'est probable, parce qu'il est à Coulommiers. Mais en tout cas, c'est quand même un fromage de Brie. Bon. Et alors, maintenant qu'on est au XVIIe siècle, forcément, vous allez me demander ce que c'est que ce qu'il y a au bout du corbeau de la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Déjà, il faut que je revienne en arrière, parce que la fable du corbeau et le renard, vous avez remarqué qu'elle était très longue. Alors, c'est normal, parce qu'en fait, c'est un Brie de Coulommiers, parce que La Fontaine vivait à Château-Thierry. Pourquoi un Brie de Coulommiers? Parce qu'il fallait qu'il soit suffisamment petit, mais aussi il fallait qu'il dure un certain temps, le temps des vers de la fable, que l'histoire soit plus possible. Alors que la fable d'Ésope, dont elle est inspirée, c'est le fabuliste grec du 7e siècle avant notre ère, est beaucoup plus courte, dans la mesure où c'est un fromage comme une feta salatis au boulot de Rovis, hein, et qui fond très vite. Donc il faut que le renard se dépêche d'attraper le fromage avant que le corbeau l'ait avalé. Alors, sous Louis XIII, le Brie a été vraiment fêté, il y a bien un règne où le Brie a vraiment failli disparaître totalement, c'est le règne de Louis XIV. Louis XIV considérait que le fromage de Brie était indigne à sa condition de roi. Et ce n'est qu'à l'extrême fin de son règne où il s'est dit, tiens, je vais en goûter quand même. Ah, finalement, c'est très bon. Faites-moi emporter à Versailles. Il y avait 50 chariots qui allaient à Versailles entre 1710 et 1715. Bon, alors, encore une fois, c'est un crédit qui écrit ça. Hein. Il fallait bien se rattraper un peu. Mais c'est vrai que Louis XIV mangeait des plats, non pas selon ses goûts, mais selon la hiérarchie royale. C'est-à-dire les oiseaux, c'est dans le ciel, donc c'est l'idée médiévale selon laquelle c'est aérien, et puis c'est au-dessus du commun des mortels, donc on va en manger. Et un roi peut en manger, comme d'ailleurs Henri VIII mangeait du cygne, alors que c'était une insulte pour les celtes, et donc ça plaisait pas aux Gallois, hein, qui avaient des origines celtes bien connues. Et mais effectivement, au Moyen-Âge, il était coutume que les seigneurs, les rois, mangent des oiseaux. Par contre, le commun mangeait du porc, par exemple. Parce que c'était du domaine presque de l'enfer, c'était un rat de terre. Voilà. Donc c'est un peu selon. C'est pour ça que sous Louis XIV, c'est la volaille qui marche le mieux. Vous avez vous connaissez hein, les menus, les perdrix, les pintades. D'ailleurs, Louis XIV, qui avait sa mère qui le forçait à manger à la fourchette parce que Louis XIII avait inventé la fourchette, la première décision qu'il a prise après l'idée d'interdire de faire arrêter le surintendant Fouquet, c'est de ne plus manger à la fourchette lors de sa prise de pouvoir le 10 mars 1661. Un jour après la mort de Mazarin, la première chose qu'il a fait, c'est manger avec ses doigts. Comme on faisait au Moyen-Âge. Sauf qu'attention, au Moyen-Âge, c'était qu'on prenait une tartine de pain et on mangeait en mettant la viande sur le pain, ou les pâtés sur le pain. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a donné un copain, parce que c'était le compagnon de pain à côté. Les tartines faisaient office d'assiette. En même temps, c'était pratique, on mangeait les assiettes. Il n'y avait pas de vaisselle à faire.
Et puis, ensuite, heureusement pour le Brie, le grand roi, une fois le grand roi décédé, vous avez l'arrivée de Philippe, qui va être quasiment le roi entre 1715 et 1723, le temps que le petit Louis XV puisse enfin régner, enfin, sauf que Louis XV il va attendre 1743 pour régner en tant que tel, parce qu'il ne va cesser de prendre des principaux ministres, d'abord le duc de Bourbon, puis après son précepteur André Hercule de Fleury. Donc il va rester, Louis XV en fait, il va rester mineur, on va dire, jusqu'à 33 ans, jusqu'à un record. Mais par contre, le régent, lui, raffolait du Brie dans ses petits soupers. Encore une fois, c'est un crier qui l'écrit. Mais bon, voilà, apparemment, le Brie revient. Remarquez, c'est assez logique, vous allez voir pourquoi. Mais le Brie revient à la mode au XVIIIe siècle. Pour Louis XV, le Brie est aussi apprécié, en tout cas il est apprécié de sa femme qui est très gourmande, Marie Leczinska. Marie Leczinska, on lui doit la bouchée à la reine. Les premières bouchées à la reine, elles sont faites en Pologne chez elle, mais celles qui vont apparaître en France, elles étaient faites avec du Brie. Et elle adorait les vol au vent avec de la truffe. Donc c'était Marie Leczinska, de toute façon, c'est quelqu'un qui a partagé la couche de Louis XV tant qu'elle a pu vivre avec les enfants et tant qu'elle a pu le supporter. Et puis après, ensuite, elle a vu toutes les infidélités de Louis XV parce qu'elle lui a refusé l'entrée de sa chambre. Et ensuite, elle a passé son temps dans les gourmandises, elle a fait que prendre du poids jusqu'à la fin de ses jours. Elle passait son temps à s'empiffrer, voilà. Elle est devenue énorme, d'ailleurs. Ça donnait même pas envie à Louis XV de revenir la voir. Il la considérait juste comme sa bonne amie. Donc, il préférait les sœurs Donnel et après la marquise de Pompadour. Donc Marie Leczinska, on lui doit donc d'avoir vraiment fait entrer le Brie dans la haute gastronomie du XVIIIe siècle. Et puis ensuite, on arrive à un épisode dont je voudrais vous parler, qui est la Révolution française. Parce qu'on dit beaucoup de choses sur la Révolution, et notamment on a dit que Louis XVI, on raconte que Louis XVI, quand il s'était arrêté à Varennes, s'était fait arrêter justement parce qu'il n'avait pas voulu partir et finir son Brie. Alors apparemment, il n'y a aucune trace historique sur laquelle Louis XVI n'ait jamais mangé et a ni apprécié le Brie. Et Louis XVI n'aurait pas été aussi stupide que ça. Il avait une mission, c'était d'aller à Montmédy pour ramener ce qui restait de l'armée royale et défendre le royaume de France qui allait être incessamment attaqué, parce qu'il avait eu vent que son petit frère, le comte d'Artois, l'avait trahi. Donc il savait très bien que le royaume de France était en danger. Et Louis XVI voulait juste faire valoir les droits constitutionnels sur lesquels il avait le pouvoir exécutif et qu'il était le chef des armées, comme la Constitution n'en finissait pas. Il l'avait écrit d'ailleurs dans ce qui a été finalement son testament politique qu'on a retrouvé en 2007. Il l'avait écrit dans une lettre qu'il avait qu'il avait mis personnellement sur le bureau du président de l'Assemblée nationale avant de partir. Il ne fuyait pas à l'étranger. C'était pas pour trahir la France. Il n'avait pas fait tirer sur la foule en 1789, c'était pas pour faire massacrer son peuple par les étrangers. Et les Autrichiens étaient ses amis, puisqu'il y avait eu le mariage autrichien, le renversement des alliances. Je ne vais pas vous parler de tout ça, c'est pas le plus important aujourd'hui. Mais bon, par rapport à Louis XVI, je dois dire que Louis XVI et le Brie, et certainement pas ce jour-là, c'est impossible. Alors, qu'il soit revenu à Meaux, oui, quand il a été, c'est possible qu'il se soit arrêté à Meaux pour ensuite rejoindre Paris et le palais des Tuileries.
Mais ça, c'est en revenant. Et ce qui est sûr, c'est qu'il s'est retrouvé à Varennes parce qu'il a perdu beaucoup de temps à cause de Marie-Antoinette, qui ne connaissait pas du tout Paris, et qui s'est perdue. Ouais. Elle s'est perdue dans les dédales. Et du coup, Fersen n'a pas pu la récupérer et elle n'a pas pu partir en Suède avec ses enfants, comme c'était prévu. Et du coup, toute la petite famille s'est fait arrêter à Varennes et le boulanger, la boulangère et le petit Mitron, ils ont été ramenés. Ça, vous connaissez tous ça. Ce qui est intéressant avec la Révolution, c'est que le Brie va changer de statut. Jusqu'alors, on disait que c'était le fromage des rois, que c'était le roi des fromages. Ben, les révolutionnaires, comme ils aiment le Brie, ils vont en faire le fromage du peuple. Alors, François-Joachim Lavallée, il a ce fameux mot « Les fromages de Brie prêchèrent l'égalité bien avant qu'on supposât qu'elle n'existe, qu'elle ne soit possible. » Alors, oui. Donc, c'est assez... Remarquez, on peut se baser sur le fait que Louis XIV considérait que le fromage de Brie était indigne de sa condition. Et c'est intéressant, ça. Parce que le fromage de Brie, qui devient le fromage du peuple, et on arrive quand même... Alors, à la Révolution, je vais quand même faire une parenthèse pour vous parler du camembert. On dit toujours que ceux de Normandie disent c'est le camembert qui a donné le Brie, et ici on dit c'est le Brie qui a donné le camembert. Et là je dois dire que la réponse c'est que oui, c'est le Brie qui a donné le camembert. Alors comment ça s'est passé? En pleine Révolution, vous avez la constitution civile du clergé qui a été adoptée depuis 2 ans. On est donc à l'époque de la première terreur. Puisque Danton vient de faire son discours de l'audace, encore de l'audace. Le 10 août 1792, vous avez les gardes suisses qui se sont fait massacrer au palais des Tuileries, et Louis XVI et sa famille sont venus se réfugier à l'Assemblée nationale constituante. Et vous avez Monseigneur Thuin, qui est évêque de Meaux, qui dit à son ami l'abbé Gobert, ah non mais là ça peut plus durer, hein. Vous feriez mieux de fuir, mon ami, parce que là, vous allez vraiment... Vous allez finir en brochet. Donc l'abbé Gobert dit d'accord, et où je pourrais aller, il dit, passez par la Normandie pour rejoindre l'Angleterre. Et il s'arrête dans un petit village où il va rencontrer une certaine Marie Harel, qui est la jeune cousine de l'évêque de Lyon. Et Marie Harel, elle fait des angelots. Des petits fromages très âcres, pas du tout au goût de l'abbé Gobert, qui est très gourmand. Et l'abbé Gobert lui apprend à faire du fromage de Brie comme un mot. Et ça donne le camembert. Ah. Le camembert de Brie. Et là, c'est comme ça qu'est né, oui, c'est comme ça qu'est né le camembert. À partir du fromage de Brie qui a été adapté au goût des Normands. Et puis, alors du coup, il ne tient qu'à pas, puisque nous sommes à la Révolution, d'aller à la fin de l'époque napoléonienne, puisque la trace qu'on lit toujours quand on retrouve le Brie de Meaux, et je vais en terminer par là, c'est le congrès de Vienne. Il paraît que le congrès de Vienne, alors le congrès de Vienne, ça faisait déjà un an qu'il durait, depuis 1814, puisque vous avez la campagne de France qui s'achève en février 1814, vous avez Napoléon qui est acculé et qui se retrouve à Linden. Malheureusement pour les Anglais, Napoléon s'enfuit de Linden et il va faire ses fameux 100 jours. Vous avez la bataille de Waterloo, le 21 juin 1815, tout est perdu, et le congrès de Vienne, lui, continue. Et le problème de Talleyrand, qui justement soutient toujours Louis XVIII. C'est pour ça d'ailleurs que comme il a trahi Napoléon, Napoléon a dit Talleyrand, Talleyrand, vous êtes de la merde dans des bas de soie. Parce que Talleyrand, il a fait que de retourner sa veste, c'est comme ça qu'il a sauvé sa vie. Il était toujours du côté du pouvoir. Et alors Talleyrand a une très bonne idée.
pour que la France puisse retrouver un certain prestige et que le prince de Metternich, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Empire des Habsbourg en Autriche, accepte que la France garde au moins ses frontières qu'il avait réussi à sauver avec difficulté en 1914, c'est de faire un concours par rapport à qui aura le meilleur des fromages. Alors, selon Pierre Androuet, ce concours a bien eu lieu et le Brie a été déclaré non pas roi des fromages, ça c'était Barthélemy de Chasseneuve. Vous imaginez quand même pas le prince de Metternich attribuer à un simple fromage un titre plus important que le sien, non? Donc il va dire que c'est le premier des fromages et le prince des desserts. Et on a cette preuve parce qu'on a un chroniqueur de l'époque qui avait tout écrit ce qui se passait au congrès de Vienne. Et il n'a pas assisté forcément au banquet, mais, ou du moins il a pas raconté toute l'histoire comme nous raconte le crémier en question. Mais il a écrit qu'il y avait un des convives qui avait dit « Voilà bien, là, le seul prince qui ne trahira pas. » En parlant du fromage. Vous voyez, l'histoire du Brie, on a l'impression comme ça que c'est une histoire simplement culinaire, etc. Mais en réalité, c'est une histoire qui accompagne la grande histoire. Et c'est une histoire qui permet de mieux comprendre l'histoire de France et comment est née en fait la France contemporaine. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Alors, je vous annonce que je fais une autre conférence à Issy-sur-Ourcq, mais cette fois-ci sur un sujet complètement différent, le lundi 11 novembre à 15h, dans la petite salle de la mairie, sur les 100 ans du traité de Versailles, 1919-2019, l'échec de la paix. La paix qui nous a coûté la Seconde Guerre mondiale. Merci.